Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Een stille kracht, dat is het Tredunor trekpaard voor Marie Dunas. Wie een Tredunor in huis haalt, krijgt een pak spieren en een houden hart over de vloer. En meteen ook een werklustig paard dat een stuk traditie uit het noorden levendig houdt. Marie vertelt. Marie Dunas, éleveur très du Nord dans les Flandres, sur Castres, trois juments très du Nord, deux gestants de cette année. Et puis aussi, j'ai une paire de Mérins pour de l'attelage un peu plus sportif. Donc actuellement, pour être si on veut se lancer dans la passion du cheval très du Nord, il faut commencer, il y a quand même quelques critères à observer. D'abord, il faut avoir l'amour et la passion d'un trait du Nord. Pourquoi un trait du Nord? Parce que bon, c'est un cheval très rustique, un cheval qui, des Flandres, que nos anciens travaillaient avec dans la terre, tout ça. Et finalement, malheureusement, ces chevaux, ils ont été remplacés un peu par le modernisme, les tracteurs. Mais actuellement, si on veut être un éleveur ou avoir l'amour d'un trait du Nord, avoir un trait du Nord chez soi, la première des choses, c'est aussi d'avoir de la place. Il faut savoir qu'un trait du Nord, c'est un cheval qui mange beaucoup, qui a besoin de se déplacer, qui a besoin d'air et qui a besoin beaucoup d'activité et de soins. Et donc, si on prend un trait du Nord, ce n'est pas comme si on prenait un petit chien chez soi. Il faut quand même de la place et il faut quand même de l'alimentation pour lui. Donc là, maintenant, pour avoir un trait du Nord, écoutez, la saison des poulainages est terminée. On peut trouver chez tous les éleveurs des poulains, des pouliches à vendre. Donc on peut avoir son coup de cœur. Tout dépend comment qu'on est branché. Si on est branché attelage, reproduction, élevage ou carrément loisir ou travail au cordeau, peut-être. Alors, après, il faut savoir que être éleveur trait du Nord ou tenir un trait du Nord nécessite quand même pas mal de travail, être présent pour travailler l'animal. Si on veut un animal qui soit attelé, docile ou même super sympa, il faut le travailler. Et pour cela, il faut qu'on s'en occupe. Et après, également, avoir un cheval nécessite aussi le maréchal ferrant, peut-être, parce que ça c'est sûr et certain. Il faut le parer pour qu'au niveau de ses aplombs, il soit très bien. Et après également, il faut penser aux frais vétérinaires. Voilà, donc il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Maintenant, si on veut partir, avoir un trait du Nord, partir dans l'élevage, il faut connaître un petit peu les origines de son cheval pour savoir quelles sont ses origines, ce que vont en faire, et puis pour si c'est pour la reproduction, avoir un cheval qui a de très bonnes origines pour pouvoir continuer l'élevage. Donc moi, celui qui veut peut se rapprocher du syndicat, parce que le syndicat connaît la base des chevaux à vendre et qui peut également leur donner encore plus de détails et plus de conseils que moi toute seule en tant qu'éleveur trait du Nord. Personnellement, pour moi, le trait du Nord, c'est la force tranquille. C'est un cheval musclé qui a un caractère d'or et qui a besoin de travailler. Pour pouvoir nous montrer que cette force, soit dans l'attelage, soit dans le cordeau, il travaille. Et puis, c'est un cheval polyvalent et vraiment, il a du sang-froid dans les veines. Donc, du moment qu'on le travaille, il peut nous rendre ce qu'on rêve d'avoir de lui. En étant propriétaire, je pense que celui qui a l'amour du cheval et de une, qui veut garder les traditions, parce que c'est quand même un cheval de tradition, le trait du Nord, je pense que vraiment c'est l'amour du cheval, c'est l'amour du trait, c'est l'amour de cette force tranquille, de ce bon cheval trait du Nord qui...
qui continue. Il faut que les générations futures, c'est un patrimoine qui nous a été confié par nos anciens, des anciens éleveurs qui ont toujours travaillé là-dedans. Et je pense qu'il ne faut pas laisser partir ce patrimoine. Et puis quelqu'un qui a un trait du Nord, c'est vraiment, je crois que c'est l'amour vraiment du trait du Nord et du cheval.